Je disais bon et beau. Ce sont trois et quatre lettres pour écrire donc ces deux mots, bon et beau, et des mots qui évoquent sans doute différentes pensées en vous. Bon, c'est l'adjectif qui vient du substantif bonté et qui est aussi apparenté au bien. Et puis dans la Bible, ce mot bon est parfois synonyme de beau. Beau, c'est l'adjectif qui vient du substantif beauté. La beauté, c'est une qualité, je dirais, esthétique, qui se voit ou s'entend ou se ressent. Et puis la bonté, c'est une qualité plus intérieure, moins évidente à percevoir, mais tout aussi réelle. Alors, les mots grecs, vous les voyez apparaître, c'est agathos, agathos, pour bon, bonne, et puis kalos, pour beau ou belle. Mais kalos veut souvent aussi dire bon. Et dans la Bible, parfois, il y a des traductions, si vous voyez différentes traductions de la Bible, quand des fois on dit beau, on peut dire bon, quand, c'est employé, quand le mot kalos est employé. Et si j'ai pensé à vous parler de cela ce matin, c'est en quelque sorte pour contrecarrer l'actualité. Et en particulier la publicité, les magasins, les médias, qui nous parlent de la fête de Halloween. Halloween, c'est, vous en conviendrez, vraiment la fête de la laideur, de la mocheté, je ne sais pas si ce mot existe d'ailleurs. En tout cas, en quelque sorte, une sorte d'éloge du mal, du mauvais, de l'horrible. Et puis là, j'ai pensé, mais nous les chrétiens, nous voulons prôner et promouvoir le bien, le beau, le bon, parce que ce sont des valeurs que le Seigneur incarne et est venu apporter, n'est-ce pas ? Donc j'aimerais que nous arrêtions ce matin, si vous le permettez, sur ces mots « bon » et « beau », à partir donc de la parole de Dieu, qui veut, je pense, encore nous interpeller en ce sens. D'abord, j'aimerais vous lire le petit passage du psaume 34, juste une partie du psaume 34, les versets 9 à 11. Bien connu. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Ensuite, Ecclésiaste, encore, un texte de la sagesse, comme tout à l'heure dans les Proverbes, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, aussi, je pense, bien connu, qui nous dit il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, donc aux humains, la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il a fait toutes choses belles au moment venu, ou au temps convenu, ou en son temps. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul à Timothée, chapitre 4, la première donc, épître, versets 4 et 5. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Prions, Seigneur, merci pour ta parole, pour tes promesses, pour ton exhortation, Seigneur, envers nous aujourd'hui. Aide-nous à comprendre, Seigneur, cette parole, à la faire nôtre et à, Seigneur, aller dans le sens que tu désires pour nos vies, Seigneur. Aller dans ta volonté, Seigneur. Alors, donne-nous de bien pouvoir assimiler cette parole et la vivre. T'en prions. Amen. D'abord, donc nous allons cheminer ensemble dans la réflexion de ce thème. Et puis, il y a trois étapes. À mon avis, d'abord, une affirmation. Dieu est bon. On affirme. Ensuite, une constatation qui est liée à cette affirmation. C'est que tout ce que Dieu a créé est bon. Et ensuite, une application pratique qui découle de cette affirmation
et constatation, comment vivre de la bonté de Dieu? Donc d'abord, une affirmation. Dieu est bon. Vous connaissez les chantiques, hein? Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. J'aime 340. Et l'autre cantique, un petit moins connu, Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi, Dieu est bon en tout temps, à travers l'orage sa lumière jaillit, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon en tout temps. C'est un chant de Stéphane Kerry. Ou encore, et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. C'est le chant Toi qui es lumière, 718. Ou bien sûr, le chant 133, mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi, et vous connaissez la suite. C'est donc une affirmation catégorique de la Bible qui est reprise par ces cantiques et qu'on trouve à maintes et maintes reprises dans toute la Bible. J'en donne juste quelques extraits. Psaume 25, verset 8, l'Éternel est bon et droit. Psaume 34, verset 9, qu'on a vu tout à l'heure, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, 3, qui découle, enfin qui cite Psaume 34, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Psaume 73, Dieu est bon pour Israël. Psaume 86, car toi, Seigneur, tu es bon et clément. Psaume 100, l'Éternel est bon, sa fidélité dure à toujours. Psaume 106, 107, 118, 136, célébrez l'Éternel, car il est bon. Psaume 119, 68, tu es bon et bienfaisant. Psaume 135, verset 3, l'Éternel est bon. Psaume 145, verset 9, l'Éternel est bon envers tous. Marc, chapitre 10, dans le Nouveau Testament, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et dans Luc 6, 35, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Et puis Jean 10, Jésus dit, moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc beaucoup de ces versets sont sans doute connus, mais il était bon, entre guillemets, que nous nous les rappelions ce matin, et pour constater donc avec quelle insistance la Bible parle de la bonté de Dieu. En même temps, je vais un petit peu reprendre ça pour voir les spécificités de cette bonté de Dieu qui ressortent de ces textes. On dit que Dieu est bon pour Israël. Alors c'était important à l'époque où ça a été écrit, et ça l'est encore aujourd'hui. Dieu reste, est et reste bon pour Israël, quoi qu'il arrive dans son histoire. Dieu est bon aussi pour les ingrats et les méchants. Alors, c'est une vérité un peu plus difficile à avaler. Mais elle est biblique. Dieu est aussi bon pour les méchants. Et il ne réserve pas sa bonté seulement pour ceux qui sont bons envers lui, mais aussi pour ceux qui lui sont, donc pour ceux qui sont agréables en lui, mais aussi pour ceux qui sont pas forcément bien envers lui. Vous connaissez aussi cet autre verset, Matthieu 5, 45. Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et puis, en conséquence de ça, 1 Timothée 2, verset 4 nous dit que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes, bons ou pas bons, hein, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis dans Ézéchiel, ce texte de l'Ancien Testament, chapitre 18, est-ce que je désire avant tout la mort du méchant, oracle de l'Éternel, n'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 18, 23 et 32. Donc voilà, Dieu est bon aussi pour les ingrats et les méchants. Mais Dieu est bon, de manière plus générale, pour tous. On l'a vu tout à l'heure dans un petit texte. Ça va de soi, et c'est dans la droite ligne de ce qui précède. Il est bon envers tous, envers les méchants comme les bons, envers les grands comme les petits, envers les vieux comme les jeunes, envers les riches comme les pauvres, envers les noirs comme les blancs, envers les américains comme les arabes, etc. Son amour ne fait pas de distinction. Dieu aime tous les hommes. Il est bon envers tous. Alors je dirais, mais alléluia. Ensuite, lié à sa bonté, il y a aussi
sa droiture, sa clémence, sa fidélité, son amour. C'est tout à l'heure dans certains psaumes, on disait il est bon et droit, bon et fidèle, bon et clément, bon et juste. Et la preuve, eh bien, il s'est donné à la croix pour nous. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10. On peut aussi dire que Dieu est le seul bon. Parce que Jésus, il le dit au jeune homme riche qui vient l'interroger sur ce qui est bon. Il demande, mais dis-moi ce qui est bon. Expression qui est apparue dans Matthieu 19, verset 17, par ce jeune homme. Alors nous, les humains, on est exhortés à tendre vers ce qui est bon, vers ce qui est beau, à devenir bon, à rechercher le bien et le beau. Mais on doit être aussi conscient qu'on ne sent jamais parfaitement bon. On n'est pas bon à 100%. Seul Dieu le Créateur est bon. Jésus l'a dit, il y a un seul qui est bon. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en effet, justement, lui, il est bon. Même si nous, on doit tendre vers cela, mais on n'est pas toujours au top, comme on dit. Mais lui, il est bon. On peut s'appuyer sur lui, sur sa bonté. Et on nous dit aussi dans les cantiques que j'ai tout à l'heure cités, tout en lui est beauté aussi. C'est le Seigneur de l'univers et c'est notre Seigneur. Mais c'est merveilleux d'avoir un Seigneur qui est bon. Et ensuite, pour résumer et pour conclure cette première partie, eh bien on est invité finalement à goûter, à constater, donc à voir, à découvrir, à reconsidérer combien le Seigneur est bon. Le psaume 34 le dit bien. C'est une sorte d'image qui est aussi reprise par l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors c'est comme quand on goûte un mets succulent ou un vin exquis, on est invité à goûter. Donc à goûter comme ça dans le palais, à découvrir, à éprouver ça. Goûter la bonté de Dieu. Alors maintenant, je vous invite, juste pendant quelques secondes, dans votre tête, en silence, à découvrir, voir, essayer de goûter un petit peu combien le Seigneur est bon et beau. Essayez de repasser en mémoire, peut-être, dans votre tête, toutes les bénédictions dont vous avez été l'objet ces derniers temps de la part du Seigneur. Juste quelques instants. Alors, vous êtes convaincu que le Seigneur est bon ? Je l'espère. Maintenant, on va un peu plus loin. Il y a une constatation qui est liée à cette affirmation « Dieu est bon ». Et cette constatation, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, c'est un peu moins évident que la première affirmation « Dieu est bon », ça, on est tous convaincus de ça, mais que tout ce que Dieu a créé est bon, soit bon, on est peut-être un petit peu moins convaincu, même si sans doute qu'on y croit. La Bible l'affirme clairement. L'apôtre Paul l'a écrit à son jeune disciple Timothée, et peut-être qu'il avait, l'apôtre Paul, dans sa tête, cette théorie des gnostiques, vous savez, la gnose, la connaissance, c'était une connaissance, un groupe un petit peu ésotérique, les gnostiques, qui mettaient en valeur la connaissance, la gnosis, et qui affirmait en somme la dualité entre l'esprit, la connaissance, qui était bonne, et puis la matière, la chair, qui était mauvaise. D'ailleurs, le philosophe Platon, qui a vécu avant même ces passages, avait aussi prôné cette idée dans son ouvrage, le Phédon, en disant que tout ce qui dépend du corps prend une valeur négative, par opposition aux satisfactions que procure à l'âme la contemplation et la recherche des idées. Bon, ça, c'est des Platons, hein. Donc, il y a une dualité entre le corps et l'âme, entre ce qui est la matière qui n'est pas bonne, et puis les idées, la contemplation qui est bonne. Mais Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien
n'est à rejeter, précise-t-il. Alors le mot à rejeter, en grec c'est apobletos, il n'apparaît qu'ici, dans le Nouveau Testament, et il signifie rien n'est à être jeté au loin, rien n'est à rejeter. Et il est utilisé ici dans le sens de tabou. Les tabous ne devraient donc pas avoir place dans l'approche intelligente des chrétiens. En contraste avec les nombreux systèmes de tabous dans les cultes païens. Vous savez, il y a des choses qui sont tabous. Quand on remarque le contexte, en plus de ce verset 4 de 1 Timothée 4, hein, les gnostiques autour de lui, il y avait des gens qui prescrivaient aussi au verset 3 de ne pas se marier ou de s'abstenir d'aliments particuliers. Donc il y avait des tabous. Des choses, et les gens, ah, ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas. Il leur dit non, rien n'est tabou pour le Seigneur. Rien n'est en soi à rejeter. Il n'y a rien à proscrire en soi. Ensuite, bien sûr, il y a des choses qui sont à éviter, voire même à bannir. Mais ce ne sont pas des choses que Dieu a créées. Ce sont des choses que les hommes ont inventées et ont produites. D'ailleurs, Paul dira aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. C'est donc à nous de discerner, parmi toutes les choses qui existent, ce qui est bon et beau de ce qui ne l'est pas. Non, rien n'est de ce que Dieu a créé n'est mauvais. Et aux Romains l'affirme, Paul l'affirme aussi, je sais et je suis persuadé dans le Seigneur, enfin Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Romains 14, 14. Et Jésus va même aussi dans le même sens quand il dit à la foule, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Matthieu 15, 18, 11 et 18. Et dans Matthieu 7, il dit aussi, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Matthieu 7, 21 à 23. Donc le mal, le mauvais, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Qui l'insère en quelque sorte dans le cœur, dans le dedans de l'homme, dans sa nature humaine, dans ce qu'on appelle la chair. Et ensuite, suit une description de Jésus sur des choses mauvaises qui sortent du cœur de l'homme. Et vous conviendrez que dans la liste qui est citée tout à l'heure, hein, il n'y a pas que des gros péchés, entre guillemets, gros péchés, comme le vol ou le meurtre, mais aussi des petits péchés, entre guillemets, comme la ruse, le regard envieux, l'orgueil. Voilà, tout ça, ça sort de l'homme qui est souillé par le diable et qui l'instille dans le cœur de l'homme. Et je rappelle aussi cette autre nuance donnée dans le texte tout à l'heure d'Ecclésiaste 3, verset 11. « Tout ce que Dieu a fait est beau en son temps. » Alors c'est un autre mot donc qui décrit l'esthétique. Mais l'idée est la même, ce que Dieu a fait est bien, est bon et est beau. Et Salomon, qui est l'auteur de l'Ecclésiaste, va même plus loin en disant « Et même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » ou littéralement de ce qui est caché. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Donc Dieu a de beaux et bons projets pour l'homme. Il souhaite que nous puissions accomplir ces beaux et bons projets pour ceux qui nous entourent. Tout à l'heure, on a aussi été exhortés à aller vers les autres. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternel, de l'éternité. Donc, une éternité de bonheur, de bien-être qui est prévue par Dieu dans son plan de bonté, de bonheur pour l'humanité. Même si, la fin du verset 11 de Ecclésiaste 3 nous dit, même si l'homme ne peut pas pleinement saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. On ne peut pas tout comprendre, mais on l'affirme et on le sait parce que Dieu le dit. Il a des beaux projets pour l'humanité, pour l'homme, pour ceux qui se confie à lui. Il a des beaux projets. Il désire le bien de tous. Après, certains le choisissent et d'autres non. Mais quand on va dans ses voies, eh bien, il a des beaux projets pour nous. Donc à la fois l'homme
est bien supérieur à toute autre créature. C'est le seul qui a, je pense, une pensée de l'éternité. Donc l'homme est supérieur aux animaux. Mais à la fois, il reste bien limité par rapport à Dieu et à cette éternité. Tous ces textes donc, nous font penser à la création de l'univers par Dieu. Avec ce verset aussi qui scande la création. Genèse chapitre 1er. Il a créé ceci, cela. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Et à la fin, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, on nous dit, alors il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Verset 31 de Genèse 1. Donc vraiment, vous voyez, tout ce que Dieu a fait est bon. Rien n'est à rejeter. On va aller maintenant pour la suite, dans la troisième partie, comment vivre de cette bonté de Dieu. En tout cas, je vous invite à considérer la bonté de Dieu, la beauté aussi de tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait, en ne rejetant rien de ce que lui a fait, en ne considérant rien comme tabou, puisque c'est Dieu qui l'a fait, ces choses-là. Maintenant, allons un peu plus loin encore, troisième partie, une application qui est liée à cette constatation. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre de la bonté de Dieu, et dans tout ce que Dieu a fait est bon, comment est-ce qu'on peut vivre de cette bonté de Dieu? D'abord, l'apôtre Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 4 toujours, de 1 Timothée 4. Et ailleurs, il dit dans Colossiens 3, 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et puis 1 Thessaloniciens 5, 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, nous sommes invités à jouir de la vie que Dieu nous donne et des biens que Dieu nous procure, mais non pas égoïstement, mais en rendant grâce à Dieu, en le remerciant, en lui étant donc reconnaissant. La question qu'on peut se poser, mais est-ce que nous le sommes? Est-ce que je le suis reconnaissant? Les actions de grâce, eh bien, elles se manifestent par la louange. On loue le Seigneur, on a loué le Seigneur tout à l'heure avec des chants, avec des prières. Ça manifeste par la glorification de notre Dieu, par l'adoration. Alors, je nous invite tous, je m'inclus dedans, à jouir de la vie en remerciant le Seigneur. Mais ce texte de 1 Timothée 4 va un petit peu plus loin aussi, parce qu'il dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Il dit « car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière ». Donc tout ce que nous recevons avec action de grâce, en reconnaissance, c'est sanctifié. Ça veut dire que ça devient saint pour celui qui en bénéficie. En contraste avec les tabous païens. Et le concept chrétien de la sainteté englobe même des objets aussi mondains que les viandes, au verset 3, parce qu'il dit que ce n'est pas forcément beau, mauvais par rapport à ça, ou il dit, voilà, les gens, ils vous prescrivent ceci, cela. Non, non. Ça ferait peut-être référence à l'action de grâce, la prière avant le repas aussi, peut-être. Mais d'une manière plus générale, je pense qu'on peut dégager de ce texte que la parole de Dieu et la prière ne sont donc pas contre la création de Dieu, heureusement, et que dans ce qui est bon et ce qui est bien créé par Dieu, il y a aussi sa parole, bien sûr. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Et c'est aussi ce qui ressort du texte de l'apôtre Pierre cité au début et qui reprend le psaume 34. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté, ou si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc désirez le lait de la parole, c'est sanctifié par la parole, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc quand on a goûté que le Seigneur est bon, eh bien on va désirer vivre de cette parole, lire cette parole, la méditer, la vivre. Et prier le Seigneur. Il y a donc une corrélation entre la bonté de Dieu que l'on goûte et puis la parole de Dieu qu'on a aussi invité à goûter. Il y a des textes comme dans le psaume 119, ta parole comme du miel, voilà, des choses merveilleuses qu'on peut découvrir aussi. Et Paul à Timothée parle de la parole de Dieu et de la prière. Et la prière, c'est entre autres l'action de grâce, le remerciement au Seigneur.
Et une autre conséquence d'avoir goûté que le Seigneur est bon, eh bien, selon Pierre, c'est ensuite de rejeter toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. C'est 1 Pierre 2, verset 1, juste avant ce texte qui dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». C'est intéressant cette idée. Donc si on goûte que le Seigneur est bon, alors on va rejeter la méchanceté. On va rejeter la méchanceté, l'hypocrisie, la fraude, etc. Il y a donc des conséquences directes sur le comportement si on constate que Dieu est bon. On ne peut plus vivre comme si on ne savait pas que Dieu est bon. Vous voyez ? Et Jésus, dans son dialogue avec le jeune homme riche, qui est venu l'interroger sur ce qui est bon, c'est ce qui est marqué dans la Bible, hein, ce qui est bon, ou en l'appelant même dans Marc 10, « bon maître, dis-moi !» Bien, Jésus lui cite les commandements. Il dit, ben, tu m'interroges sur ce qui est bon, et bien voilà, les commandements disent, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, il cite les commandements. Et ensuite, eh bien, cet homme lui dit, mais moi j'ai tout suivi ça, mais qu'est-ce qui me manque encore? Et après, vous connaissez la texte qui dit, ben, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Donc lui, il était encore attaché à des choses. Ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure par notre frère au début de notre culte. Il était encore attaché à des choses matérielles. Et il ne pouvait pas vraiment pleinement goûter pleinement la bonté de Dieu. Et puis, Paul l'affirme aussi et confirme cela en quelque sorte à Tite, chapitre 3, verset 8, dans son épître. « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, donc hein, il y va, hein, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. » J'ai parlé des œuvres bonnes il y a, je crois, une quinzaine de jours. Et il dit ensuite, voilà ce qui est beau, pas bon, hein, ce qui est beau et utile aux hommes. Bon, le mot, c'est kalos, beau, bon. Hein, c'est bon et c'est beau de faire des belles œuvres, des bonnes œuvres. Il dit, voilà, hein, il faut que tu insistes là-dessus, dit-il à Tite. Ceux qui ont cru dans le Seigneur, eh bien, ils s'appliquent ensuite à des belles œuvres, des bonnes œuvres. Et ça, c'est beau. Est utile aux hommes. Donc si on constate que Dieu est bon, alors on va avoir une vie remplie de bonnes œuvres, de belles œuvres, et cela aura des conséquences sur notre entourage, qui le verra et qui aura envie de se tourner également vers le Seigneur, ce Seigneur si bon, qui a changé notre manière de vivre. Donc, accomplir de belles œuvres, ça permettra à ce que d'autres personnes découvrent que Dieu est bon. Rappelons-nous le nombre impressionnant de fois dans le Nouveau Testament où les œuvres bonnes sont mentionnées. Hein, il y a une quinzaine de citations, 2 Corinthiens 8, Éphésiens 2, Colossiens 1, Thessaloniciens, etc. Il y a plein d'endroits où on dit « pratique les belles œuvres, les bonnes œuvres ». 23 fois en tout dans les Épîtres, et puis il y a des mentions dans les Évangiles également. Et Matthieu 5, verset 16, nous dit aussi que notre lumière doit briller dans les hommes pour voir nos belles œuvres. Et Marc 14, verset 6 également. Le mot, c'est agathos pour bonne, et c'est kalos pour belle. Il y a aussi encore deux autres textes que j'aimerais citer en terminant cette troisième partie. Bien connu, Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix. De celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tout à l'heure, on a chanté que le Seigneur est roi. Voilà, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent que le Seigneur est roi, qui annoncent la paix, qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, transcrite en Nouveau Testament, c'est l'Évangile. Ils sont beaux, les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent ça. On parle de beaux pieds, en quelque sorte, quand on annonce ces choses-là. On est considéré comme beau par le Seigneur. Et puis Jacques, chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi royale, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, dit-il. Donc vous voyez, si on accomplit la loi royale d'aimer son prochain, on fait bien. Donc pour conclure,
Dieu est bon. On l'a dit. On le croit. On est convaincu, je pense. Deuxièmement, tout ce que Dieu a créé est bon. J'espère qu'on est aussi convaincu. Et ainsi, eh bien, remercions le Seigneur pour cela et ayons un comportement rempli de bonnes et de belles œuvres qui rejettent la méchanceté. Donc mon désir ce matin était de nous rappeler une vérité qu'on savait déjà, Dieu est bon, de nous faire prendre conscience que nous sommes entourés de la bonté et de la beauté de Dieu et qu'en soi, rien n'est à rejeter, rien n'est tabou, mais qu'en tout, nous devons remercier le Seigneur pour ce qu'il nous accorde et que nous devons nous appliquer à la compréhension de la parole de Dieu et à un comportement qui est aussi digne de lui auprès de ceux qui nous entourent. Et je pense qu'en cela, nous pourrons annoncer et vivre un message beaucoup plus positif et encourageant que celui de Halloween, qui prône la laideur, la mocheté, le mal, la méchanceté. Donc voilà, pensons à ce beau message, ce bon message qu'on peut transmettre aux autres. Et je terminerai par ce passage bien connu du prophète Michée, chapitre 6, verset 8, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, quoi ? Ce qui est bien, on pourrait dire ce qui est bon, ce qui est beau. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et c'est quoi ce qui est bien ? Est-ce que l'Éternel demande de toi ? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce qui est bien. Voilà ce que le Seigneur demande de faire, de pratiquer, d'accomplir, de vivre ce qui est bien. Voilà le beau et le bon. Amen. Prions. Et si deux ou trois aussi veulent prier, le Seigneur, et aussi répondre au Seigneur par la prière aussi.